Ok, ouais, je vais faire cette vidéo pour sensibiliser tout le monde sur quelque chose. Si vous êtes aux États-Unis ou en Afrique ou partout, il y a ce qu'on appelle mental health. La santé mentale, c'est très important. Par exemple, moi, ce trimestre-là, bon, quoi, on appelle ça quoi de chez nous? Je n'ai pas pris les cours. Pourquoi je n'ai pas pris les cours? Parce qu'à un moment donné, je me sentais, j'en avais plein la tête, je ne pouvais pas prendre les cours, ma tête, j'avais trop de choses, je m'étouffais au fait. Je n'arrivais pas à me concentrer, je n'arrivais pas à réfléchir, je n'arrivais pas à faire quoi que ce soit. Donc je me suis déjà registré pour la classe, mais quand les jours s'approchaient, je me suis dit non, ça là je ne peux pas faire. J'ai appelé l'école, j'ai annulé la classe, j'ai expliqué à l'école que je ne peux pas prendre les cours, ce quoi j'ai des soucis personnels que je veux skip ce quoi-là, donc j'ai annulé mes classes. Et ça me fait que quand je quitte le boulot, je viens directement à la maison, je me repose, je fais ce que j'ai à faire. Je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup d'informations, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes, soit ils faisaient deux boulots, trois boulots, ils ne se reposaient pas, surtout les hommes, surtout les hommes. Je sais que ça arrive aux femmes aussi, mais surtout les hommes. Ils faisaient, par exemple, il y a un gars qu'on m'a raconté. Il faisait deux boulots, tout son argent allait en Afrique à ses parents et tout, jusqu'à il était même rentré se marier et tout. Et à un moment donné, après son mariage, il est venu seulement migraine sur migraine, migraine sur migraine. Il ne pouvait plus l'aider à rentrer au pays et puis ce ménage a commencé et tout. Et il y a un autre, lui, il travaille seulement. Il va à un boulot, il vient, il dort 2 heures, retourne à un autre boulot, ainsi de suite. Et on va voir quelque chose seulement, il a RIP. Il y a d'autres, c'est seulement la tête, ça explose seulement et puis genre, ils ne parlent plus correctement. Ça mélange. Souvent, on dit que c'est peut-être le basse ou bien quelque chose, mais je vous assure que santé mentale aussi, c'est dedans, c'est important. Donc, s'il vous plaît, si vous travaillez beaucoup trop, que vous trouvez que vous exagérez, là, prenez un peu de repos. L'argent, ça peut toujours se rattraper, mais la santé ou bien le temps, ça passe et puis c'est fini. Donc, s'il vous plaît, quand vous travaillez, et que vous voyez que vous exagérez trop, prenez un peu de break pour vous reposer, prenez des vacances, prenez des congés. Apprendre vacances ne veut pas dire forcément aller au pays, en Afrique. Conduire même 1 heure pour aller dans une autre ville à côté, prendre un hôtel pour 2 jours, 3 jours, là, c'est vacances aussi. Visiter un autre état pour 2 jours, 3 jours, 5 jours, c'est vacances aussi. Il y a des gens, ils ont déjà fait 5 ans, 10 ans dans ce pays-là. Vacances, là, ils n'ont jamais pris, si ce n'est pas pour aller au pays, revenir. Puis, alors, au pays, on sait que ce n'est pas repos, parce que tu es au pays, tout le monde est sur ta tête. Quelqu'un te dit, viens ici, tu vas tirer là-bas, tu vas aller ici, tu ne te reposes même pas. Mais quelque part où tu te reposes, tu ne penses pas à boulot, tu ne penses pas à famille, tu ne penses rien, tu penses juste à toi, aux belles choses, et puis tu éclaires ta tête. S'il vous plaît, pardonnez. La vie, là, on ne le vit qu'une seule fois. Prenez le temps pour vous. Essayez de faire des choses qui vous font du bien physiquement. Ce n'est pas seulement travailler, travailler. C'est qu'on a toujours souffert en Afrique. Et que la galère était trop. Donc, on est venu ici, on veut ramasser tous les dollars du pays. Mais les dollars que vous allez ramasser là, vous allez rester vivant pour utiliser ça. Donc, prenez soin de votre santé mentale et physique aussi, s'il vous plaît. C'est ma vidéo. Bah, j'entends trop de jeunes qui décèdent. Et moi, ça me fait vraiment mal parce que je me dis, personne n'est épargné de la mort, right? Personne n'est épargné. Mais on peut mieux faire. On peut vivre longtemps si on prend soin de nous. Et de nos familles, s'il vous plaît. Donc, prenez soin de vos bisous. C'était juste une vidéo de sensibilisation. Bye.